J'ai investi dans un nouveau drone. Bah du coup, vu que j'ai la chance de partir en 3 mois en Polynésie, petit problème. Décoller depuis le bateau alors qu'il est à la voile, faire un vol et puis se reposer sur le bateau. Non, faut pas sauter sur le drone. Avance, 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 avance. Bon, je sais que j'arrive un peu tard et qu'il y a déjà eu des terras de vidéos de drones FPV déversées sur internet, mais bon, si c'est le cas, c'est que ça doit pas être si dur que ça, non? Bon, en tout cas, comme j'ai la chance de partir en Polynésie dans moins de 4 mois, bah j'ai décidé de m'en acheter un. Le plan est assez simple. Là, j'ai acheté le drone. Là, le drone, il est livré, à peu près 25 jours après. J'ai tout ça pour m'entraîner, surtout m'entraîner au-dessus du lac. Ensuite, on part en Polynésie fin juin, mi-juin. Et en Polynésie, on fait un plan en drone FPV du voilier, à la voile, en navigation, pendant qu'il y a des vagues et tout ça. Voilà. Nous sommes en guerre. Well, this was unexpected. Petit problème, le drone est toujours actuellement en Chine et on part dans un mois. L'authentique. J'ai reçu mon drone 2 jours avant le départ. Avec le calibrage et tout, ça m'a laissé le temps de faire un seul vol. Alors bien sûr, c'était pas mon premier drone FPV, il y avait aussi celui-ci. Voilà, il m'a pas fallu bien longtemps pour le coincer dans l'arbre. Ça, oh, une mission rondement menée. Mais bon, là on commence à remonter un peu loin. Le bilan de ce premier vol est heureusement pas trop catastrophique, il va suffire d'enlever la poussière et les graviers qui sont venus bloquer le moteur, mais au moins ça montre qu'il faut reprendre calmement. Après ce premier fail, on s'est dirigé vers Mauréa pour éviter le mauvais temps qui se dirigeait vers les îles du Nord. Bon, une fois arrivé sur l'île de Mauréa, on va commencer les choses sérieuses. Je pensais à un cliff diving sur une des cascades qu'ils ont, parce qu'ils ont vraiment des cascades magnifiques sur l'île. Effectivement. Bon, je vais me passer de commentaires sur ce second vol, mais clairement, il va falloir vraiment reprendre les bases. Et heureusement, on nous a parlé d'un magnifique champ d'ananas. Par contre, il n'est pas accessible en scooter. Oh là, c'est trop bien. On a perdu un membre d'équipage et on l'a remplacé par 6 nouveaux matelots. Et avec eux est arrivé le début des galères. Ben voilà, ce matin on a découvert cette pièce cassée. Cette pièce, retenue par un demi-boulon rouillé, c'est celle qui empêche le mât de tomber. Alors forcément, c'est pas une très bonne nouvelle. Enfin, sauf pour moi, parce que 4 jours coincés au même endroit, c'est l'occasion parfaite pour m'entraîner en conditions réelles au-dessus de l'eau. Je me dirige actuellement en direction du Motu et je vais pour la première fois faire voler mon drone, donc grand moment on peut dire. Ça serait un peu con de le perdre le premier des 50 jours de voyage. Donc voilà, et ben la suite sur l'île.
Ensuite, une fois que le vol au-dessus de l'eau s'est super bien maîtrisé, bah, va falloir partir depuis le bateau. En fait, le tangage et le roulis du bateau qui est causé par les vagues, bah, ça va créer des mouvements indésirables au drone, même quand il sera à l'arrêt. À cause de ça, l'accéléromètre, il va complètement partir en steak. Alors voilà, va falloir que je vérifie que le drone peut décoller alors qu'il y a ces mouvements indésirables. Et normalement, j'aurai du temps pour calibrer tout ça pendant la traversée entre Tahiti et Fakarava. Dès que tout ça s'est calibré, bah, décollage depuis le catamaran. Et ça, peu importe les circonstances. 2 heures avant notre arrivée, un des moteurs a lâché et le bateau s'est mis à faire des tours parce que le vent était trop fort pour qu'on remonte au pré avec un seul moteur en assistance. Mais avec 3 heures de retard et papa qui tenait une réserve d'essence pour aller directement dans le moteur sans passer par le réservoir contaminé, on s'en est finalement sorti. Et moi j'avais qu'une envie, c'était de tester le décollage du drone depuis le bateau. Il y a un train qui se prépare, il faut que je me bouge. 29 vents à l'anémomètre. Tout ça c'est bien, mais il reste quand même l'étape la plus importante, décoller depuis le bateau alors qu'il est à la voile, faire un vol et puis se reposer sur le bateau. On partait maintenant pour Kaui, un atoll plus petit que Fakarava avec donc moins de vagues. Ce serait l'endroit idéal pour lancer le drone depuis le voilier pendant une navigation à la voile, mais une fois à l'intérieur c'était le calme plat. En fait, le problème, c'est qu'un voilier, quand il est à la voile, il est très peu manœuvrant. C'est-à-dire, on peut pas s'arrêter quand on veut, on peut pas faire demi-tour pour aller chercher le drone. Ou en plus, il y aura pas mal de vent. Donc, décollage du bateau chaud, plus le vent, plus les vagues, parce qu'il y aura plus de vagues comme on sera en navigation. C'est-à-dire que si je perds le drone, bah, il est perdu, et pour de bon, parce que l'annexe n'est pas à l'eau et que du coup, on pourra pas aller le chercher. Non, faut pas sauter sur le drone. C'est un poil bas, là t'es un peu haut. Avance. Stop. Stop! T'entends quoi toi? You don't
understand, hey. We on overtime, you don't need to understand, hey. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to just say. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax.